Vous regardez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour chère Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Comme nous venons de l'entendre avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, l'organisation au Groupama Stadium à Lyon du match OM Atlético Madrid ne manque pas de poser des problèmes de sécurité. Faisons le point sur les mesures prises avec le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour Mademoiselle Jade et bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur le ministre. Je sais Monsieur Calvi que vous êtes un Lyonnais de cœur et d'estomac d'ailleurs. Alors, bien sûr, Gérard Collomb, nous le sommes tous un peu. Mais revenons à cette rencontre à haut risque. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin que tout est sous contrôle? Bien sûr que je le peux, évidemment. Nous avons à l'œil tous les individus fichés S. Ah, voilà du concret. Tous les radicalisés donc? Non, tous les fichés de sport. Ah. Ceux que dans notre jargon, on appelle les fous du stade. Mm-hmm. Tous ces hooliganistes radicaux qui veulent saccager ma bonne ville de Lyon. Oui. À Lyon, les gens ont peur de se mettre en terrasse pour boire un petit Condrieu ou un Julienas. Ils craignent de recevoir une balle perdue au moment des pénaltys. Eh oui. Car les Marseillais, c'est bien connu, jouent comme, évidemment, les pieds de cochon panés. Oui, je vois. Vous êtes donc plutôt en faveur des Espagnols? Pas du tout, car ce sont eux aussi des barbares fanatisés. Mmh. Des gens qui font leur machon le soir. ils appellent ça des tapas. C'est vrai. Puisque c'est le soir des tapas nocturnes, d'ailleurs, j'imagine. Ils mangent avec leurs doigts. C'est même pas copieux, il n'y a pas de graton. Pas de gratin dans l'ouillette. Pas de Saint-Marcelin de la mère Richard. On dirait le régime comme j'aime. Mais évidemment, ils n'auront pas la halle Paul Bocuse, croyez-moi. S'ils font du grabuge à Léon, je vais m'énerver. Ils vont voir ce que c'est quand le colon est irrité. Quand le colon est irrité, il se lâche. L'OM disputera ce soir sa 5e finale européenne contre l'Atlético Madrid. Le plus marseillais des Marseillais est avec nous pour nous en parler. Bonjour Jean-Claude Gaudin. Bonjour Pichounette Jade. Ah. Et bonjour aussi à ce grand fada d'Yves Calvi. Monsieur le maire. Et bien sûr... Allez l'OM ! Voilà, Dimitri Payet a entretenu le suspense toute la semaine sur sa participation à ce match. À votre avis, c'était du bluff ? Mais ne commencez pas à tailler des cossotards à Payet. Il sera là ce soir pour claquer des buts aux Espingouins. Bonne mère ! Un peu de respect, monsieur Gaudin, quand même. Je vous rappelle que le roi d'Espagne, Felipe VI, sera dans les tribunes. Il sera donc au premier horloge pour assister à la branlée que nous allons mettre aux Madrilènes. Une branlée, carrément. Absolument, ouais. Une branlée espagnole. Mmh. Oh, sous les yeux du roi, peu cher. Mmh. Et ensuite, on tirera en l'air avec la Kalachnikov toute la nuit sur la canebière pour fêter ça. À la Kalachnikov, je crois que vous avez bu un peu trop de pastis, monsieur Gaudin. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en ai bu que trois. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Yeah, yeah. 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 C'est bien ce que je pensais. Vous avez commencé à fêter le match, vous. Mais détends-toi, fan de chichourle. Aujourd'hui, oui, c'est la fête. Felipe va niquer ta mère sur la canne bière. Oui, 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 ça dérape. Allez vite, on enchaîne. Jingle. Festival de Cannes oblige, notre ami Patrick Sébastien, toujours en quête de nouveaux concepts, a décidé de ressusciter une émission mythique consacrée au 7e art. C'est à vous, Patrick. Spéciale dédicace pour Yves Calvi. C'est joyeux. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue dans ma nouvelle émission entièrement consacrée au cinéma. Monsieur Cinéma. Parce que le cinéma, moi j'adore. J'adore les caméras, j'adore les grandes perches. J'adore les travelling, les travelots aussi d'ailleurs. Les travelots avant, les travelots arrière. J'adore les plans, même les plans à plusieurs. Alors aujourd'hui, j'ai réuni que des mecs qui touchent leur bille en cinoche. Roman Polanski, Jean-Luc Godard, Monsieur Godard, le réalisateur cinéphile Bertrand Tavernier et mon poteau Frédéric Mitterrand, ouais, qui est ressorti du saloir, mais il est super content. Tiens, on va demander à Roman Polanski de commenter, parce que
T'as une super grosse actu en ce moment, c'est pas vrai mon popole ? Oui, vraiment. Avec toutes ces vieilles femmes hystériques qui écrivent n'importe quoi sur Twitter, vraiment. Le cinéma n'est plus ce qu'il était. C'est la nuit de la Saint-Barthélemy, vraiment. Ils veulent nous obliger à tourner avec des filles consentantes. Ils m'ont expulsé de l'Académie des Oscars, vraiment. Si ça continue, ils vont me reprendre mon nounours d'or de Berlin et ma toche d'argent de Venise, vraiment. Poil au gland, bouge pas mon papol. Je me tourne maintenant vers un mec qui fait des films, comment on va dire, allez, inclassables, comme mon film à moi qui s'appelait Thème, que personne n'a compris. Mais je sens qu'on a, il y a une vraie filiation. Mesdames, messieurs, Jean-Luc Godard, mais non, je déconne, Jean-Luc Godard. Tu sais mon Jeannot, je suis vraiment fier de t'avoir parce que c'est vrai que t'es hyper rare à la télévision. La télévision, c'est le bruit du monde, alors que le cinéma, c'est le spectacle du monde. Le cinéma, ce sont des images, et les images, c'est sage. Sage comme un livre d'images. Putain, j'ai rien compris, mais ça a l'air hyper profond comme truc, parce que, justement, ton film, hein, ton dernier film, en compète, il s'appelle Le Livre d'Images. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mon film, Le Livre d'Images, ce n'est pas un livre avec rien que des images pour les rappeurs et les footballeurs. Mon film, Le Livre d'Images, c'est un film. Pas un film d'Agnès Varda, où elle ramasse des coquillages, ni un film d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri qui vieillit mal. C'est un film de JLG par JLG. En 68, avec François Truffaut, on s'était accroché au rideau pour pas qu'il s'ouvre. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le rideau qui ne veut pas se refermer. Putain, c'est génial. À propos de rideau, moi ce que je préfère c'est grimper au rideau. Alors justement, à propos de l'histoire de Cannes, il y a mon pote Fredo Mitterrand, je l'adore, qui a sûrement un grand destin à la con à nous raconter. Vas-y mon Fredo, fais péter une anecdote. Bonsoir. Une fois de plus, le festival de Cannes va bientôt refermer sa foire aux illusions perdues sur les destins brisés des starlettes qui vont entrer chez elles en TER, s'il y en a, et à son palmarès improbable de films insipides. Poil au bide. Alors à propos de bide, il y a un film qui risque d'en faire un, c'est le nouveau Star Wars. Alors mon Bertrand Tavernier, est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez, le problème avec ce genre de western galactique, c'est que depuis que c'est Disney qui a repris la franchise, on n'est plus chez Peter Pan que chez George Lucas. On se demande comment retrouver la force, hein, la force, c'est le cas de le dire, de la saga d'origine. Poil à la pine. Alors putain, non, non. Moi j'ai la solution. Il faudrait que Disney fasse une version beaucoup plus libertine parce que les jeunes, les ados, ça aime le cul. Alors pour ça... Déjà, faut rebaptiser les personnages de Star Wars. Oui. Attends, alors moi, j'ai plein d'idées. Oui. D'abord, le héros, Yann Sodo. Oh, non, non. C'est beaucoup plus moderne. Oui. Mais aussi le robot Penis PO, oui. Juste après R2-M2. Évidemment, Luke Skybranler, toujours en train de se tripoter son gros sable laser. Et bien sûr, Dar. Ouais, Dar. Dar Vador. Avec sa célèbre réplique. Je suis ta père. Je suis ta père. Et mon préféré, je vous le garde pour la fin. Choubacouille. C'est pas vrai. Choubacouille avec plein de poils autour. Voilà, je crois qu'on a contribué à élever le niveau du 7e d'art. Oui. Du 7e art. Oui. Et si des cinéastes nous écoutent, qu'ils sachent que derrière le nez rouge du clown humaniste, il y a un putain d'acteur généreux qui sommeille en moi. Parce que, comme le disait mon pote Jean Gabin, je vais te dire. C'est que de l'amour. Le grand retour de Monsieur Cinéma. Merci beaucoup. Sur un générique de Gérard Calvi. Mon papa, voilà. J'étais heureux de le réentendre. 13h50 pour la rediffusion et bien entendu sur le site RTL.fr. On vous retrouve demain. Hein. Bien sûr. Allez, merci à toute l'équipe. À demain.